Elliott Meira, malgré la défaite, ce soir on a vu un HCR très sérieux pendant 60 minutes. Est-ce que c'était la volonté de Dani Gélinas de faire un match plein avant le début des pré-playoffs? Oui, bah, c'est ce qu'on voulait. C'est vrai que c'était des conditions un petit peu particulières, avec un match avec peu d'enjeux. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était être sérieux, essayer de faire la meilleure prestation possible. Et voilà, maintenant on doit se concentrer sur la suite. La suite, ce sera Winterthur, que vous avez battu jeudi soir. Est-ce que c'était la répétition générale avant les pré-playoffs ou alors tu t'attends à un match totalement différent? Écoute, je pense que ça peut être différent. Après, maintenant, on sait comment. On sait l'adversaire qu'on a, on les a joués beaucoup de fois. Donc, à nous de nous concentrer sur nous-mêmes. Je pense que ce sera différent. Nous aussi, on sera différent dans une autre mentalité et on va tout donner pour aller chercher ces play-offs. C'est la première fois de ta carrière, comme beaucoup de tes coéquipiers, que vous allez jouer un match de pré-playoff. C'est une série au meilleur des trois matchs. Est-ce que ça apporte un stress supplémentaire de savoir qu'on n'a pas le droit à l'erreur? Stress, je pense pas. Écoute, c'est vrai que c'est la première fois qu'on va vivre ça, mais faut qu'on prenne ça comme des play-offs. Maintenant, on doit tout donner pour atteindre l'objectif. On veut pas crever au poteau et puis louper ces play-offs après 50 matchs. Et puis une différence de points comme il y a entre nous et Vinti. Malheureusement, c'est ça qui est triste pour ces pré-play-offs. Mais à nous de gagner au meilleur des trois et c'est de gagner ça en deux matchs, quoi. Merci beaucoup, Elliott Meira, et bonne chance pour lundi soir.